Bienvenue sur Balti Channel. Je vous propose aujourd'hui d'enfiler vos bottes d'explorateur et de pénétrer dans la jungle luxuriante des variantes oubliées. Nous allons remonter le temps, peut-être d'ailleurs même jusqu'à la source, jusqu'à la première goutte de ce fameux Texas Hold'em qui submerge désormais le monde du poker moderne. Mesdames et messieurs, je vous présente la Veuve Sauvage. Le White Widow en version originale est la première variante connue comportant une carte distribuée face visible au centre de la table. Elle apparaît dans l'édition 1919 des règles officielles du poker publiée par l'US Playing Card Company et beaucoup la considèrent comme le chaînon manquant entre les draw poker et les hold'em. Ici, la carte centrale n'est pas encore une carte commune, elle est seulement informative. Elle ne sert qu'à indiquer aux joueurs que les trois autres cartes de même rang deviennent des wild cards, c'est-à-dire des jokers. Il faudra attendre 1926 et le Spit in the Ocean pour que cette carte centrale entre véritablement dans la main des joueurs. Mais ceci est une autre histoire que nous verrons dans une autre vidéo. Pour l'heure, voici les règles du White Widow. Comme au poker fermé classique, chaque joueur va recevoir 5 cartes en main. Mais entre la donne des 4e et 5e cartes, on en retourne une au centre. C'est la White Widow, qui n'appartient à personne mais dont le rang désigne celui des jokers. Si par exemple la carte centrale est le 8 de trèfle, les 3 autres 8 du paquet seront considérés comme des jokers pouvant prendre n'importe quelle valeur. S'ensuit un premier tour d'enchères sans limite de mise, puis c'est le draw, écart ou tirage en français, permettant aux joueurs encore en lice d'échanger tout ou partie de leurs cartes pour améliorer leur jeu. Il est suivi d'un deuxième et dernier tour d'enchères, puis c'est le showdown, où le vainqueur est celui qui abat la main la plus forte possible, qu'elle soit avec ou sans joker. Ce coup d'exemple se jouera sans limite de mise, comme il se doit, et sans blind, avec seulement un ante obligatoire de 5$ versé par tous les joueurs avant la donne. Chaque joueur reçoit ensuite 5 cartes fermées, et une carte est directement distribuée face visible au centre de la table, la fameuse White Widow, qui dans cet exemple sera le 6 de pique. Cette carte ne compte pour personne, elle informe seulement que pour ce coup, les 3 autres 6 du paquet deviennent des jokers. La parole est à Boris, puisqu'il est assis à gauche du donneur et qu'il n'y a pas de blind. I bet. Il décide d'ouvrir les enchères avec sa paire de rois, ce qui est franchement risqué under the gun, et surtout sans joker. 50. Contrairement à Herbie qui a reçu un 6, donc un joker, I call. Et il suit naturellement. Pedro a reçu une paire, mais une petite paire et pas de joker. C'est un joueur très prudent, il va sûrement se coucher. Et voilà qui est fait. Ah, Dallas a une paire et un joker. I raise. Ça lui fait donc un brelan, et il sait que c'est probablement la meilleure main à ce stade du jeu. 100. Ah, attention, sa relance est un peu faible, il risque de maintenir trop d'adversaires dans le coup. Bon, a priori, pas Ragnar. Avec ces cartes-là, ce serait un suicide, inadmissible au Valhalla. Par contre, Frank a un tirage couleur et pourrait bien se laisser tenter. I call. Il suit, et c'est normal, car le ticket d'entrée est encore très abordable. I call. Il n'y a pas de quoi chasser des joueurs hors du coup, Boris et Herbie payent la relance. Et c'est la phase de tirage. Dans l'ordre de parole, chaque joueur va devoir annoncer combien de cartes de sa main il désire changer, à moins qu'il ne se déclare servi. On commence par Boris, qui demande 3 cartes. Moi. Herbie n'en change qu'une car il tente la suite. Sans surprise, Dallas en change 2, mais il n'a que peu de chances d'améliorer son brelan. Et bien sûr, une pour Frank avec son tirage couleur. Boris reçoit ses 3 nouvelles cartes, mais à l'est, rien de nouveau, pas de miracle. Check. Il check. Pour Herbie, la récolte est plus heureuse, mais pas miraculeuse non plus. Après tout, n'importe quel as, roi, 9, 8 ou bien sûr un autre 6 lui permettait de réaliser une suite. I bet. Herbie mise, mais ne s'enflamme pas. Il sait que sa main est loin d'être invincible au White Widow. I call. Dallas, qui n'a pas amélioré son brelan, se contente de suivre. Quant à Frank, sa couleur fait chou blanc. On dirait pourtant qu'il réfléchit, comme s'il hésitait à sortir les menottes pour coffrer sa poisse. Mais non, il lui faudrait un mandat d'arrêt. Il se couche. Tout comme Boris, probablement. Eh bien non. C'est un check raise à la vodka, sur un énorme bluff. Herbie en perdrait presque son flegme britannique. Il essaie de comprendre d'où ça sort, mais avec Boris, qui est un joueur agressif et imprévisible, ça sort souvent de nulle part. Et ça, Herbie le sait. Can you feel the wave? Ooh. Boris est malin, il a senti de la faiblesse dans la mise de Herbie et le call de Dallas, et il a compris qu'il pouvait leur faire peur et voler le pot. Do you want a coin flip to help? Black,
You lose. Il est agaçant, intimidant. En fait, il essaie d'empêcher Herbie de réfléchir. I like this joke. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, c'est que Boris a changé 3 cartes. Il y a donc peu de chances qu'il ait touché un carré. D'accord. Bingo. Excellent call d'Herbie. Pour Dallas, il est maintenant évident que son brelan a été détrôné. Et on va donc procéder au showdown. Just a pair of kings. Ah, I got a straight. Thank you, sir. Une autre fois peut-être, dans une prochaine vidéo. Can you feel the wave?